Bienvenue pour un nouvel épisode de la survie du week-end. Et on a survécu. On est en pleine tempête. On est très mal mis. On est très mal mis. On n'a pas énormément de vie non plus. C'est pas la joie. C'est pas la joie. Je suis même en train de me dire. Ce qu'on pourrait faire, c'est. Une tisane, non. C'est pas ce que je veux. Ce serait ça, je crois. Tisane de bouleau. Ça serait pour nous remettre de la vie en fait. On a un feu à l'intérieur de l'arbre. Il n'est pas complètement à l'abri. On va voir si on peut pas trouver d'autres bois. Il n'est pas complètement à l'abri, mais il est plus ou moins protégé. Ça dépend si le vent change en fait ou pas. Mais on essaye de survivre le blizzard là qui est vraiment tombé au mauvais moment. La dernière fois, on était donc là pour réparer la tour. On n'a pas pu le faire parce que je n'ai pas de métal sur moi. Il m'en faut 5 de métal. J'ai complètement oublié ce détail. On est un peu fatigué aussi. Donc il faudrait qu'on dorme. Que du bon, que du bon. Honnêtement, que du bon. J'essaie de trouver encore un peu plus de bois. Puis après, on retourne à notre feu sac de couchage. Ah, ce qu'on peut faire, c'est boire une tisane à la limite. Boire une tisane. Comme ça, on dort... Allez, 2 heures, ça passe. 2 heures, ça passe. Même si le vent, il s'éteint. Le feu, il s'éteint. À cause du vent, plutôt. Là, on n'est pas protégé du vent, en fait, ici. Okay, très bien. Ouais, une tisane, j'ai envie de dire. Tisane, on les utilise quasiment pas. Et un truc de bouleau aussi. Il fait de plus en plus froid en plus. Hein. Alors, on veut ça. La tisane, ça nous permet de récupérer plus de vie quand on dort. Je crois que ça dure 2 heures en plus. Je crois que c'est comme le boulot. Le boulot dure 2 heures. Le boulot régène en fait pendant 2 heures. Là, on a amélioration d'état, ça s'améliore progressivement. Et après, Robin, ça s'améliore plus vite chaque heure. Ah, c'est 6 heures, j'ai un des 6 heures. Ça va, ça fait bien. Le vent a bougé. Alors, le vent a bougé. Ok, là on a 26. Ok, go. On prend des risques. Let's go! Let's go! J'aurais dû faire 6 heures d'un coup. Ah, merci l'aurore boréale, mais ça m'aide pas là.
ça m'aide pas vraiment. Encore une heure. Ah, si j'avais fait 6 heures d'affilée, honnêtement, on aurait eu... plus de vie. Ça, ah, ça, ça me frustre, ça. C'est pas grave. On a survécu notre tempête. Très bien. Alors, que fait-on? Que fait-on? Il nous faut 5 morceaux de métal. Ferraille. La batterie est bonne. Câble, c'est bon. Fusible, c'est bon. Il nous faut 5 morceaux de ferraille. Attends, je vais m'asseoir là. On en a un. Alors, est-ce qu'on peut casser des choses pour en faire? Ça, on peut pas. Non, techniquement, on n'a rien pour faire du métal. Non, on a strictement rien pour faire du métal. Bon, du coup. Du coup, on est bloqué. L'ancienne propriété de famille, elle est loin. Elle est grave loin quand même. Elle est grave, grave loin. C'est genre, c'est pas là, c'est là-bas, je crois. C'est là-bas. Alors, c'est quoi le plus rapide? C'est aller là. Enfin, quoique l'entrée, elle est là. Enfin, c'est peut-être pas si loin que ça, en fait. C'est peut-être pas si loin que ça. Ah non, attends, attends. Ça, il me le faut au cas où. Je baisse mon poids, en fait. Je baisse mon poids. Parce qu'on va revenir, du coup. Donc, le... notre mission, là, ça va être de... d'aller à la forge. Récupérer du métal là-bas. Revenir ici. On allume la, la tour, on se casse. Compliqué, hein. Compliqué, ce bordel. Alors, est-ce que... on va peut-être faire cuire ça. What? Ah, putain, menu de merde. J'avais dit... Oh, putain. Je peux même pas... Oh, la vache. Comme ça. Et comme ça. Quoi? Ah mais non, mais ça on peut pas le... On peut pas le faire chauffer. Merde, pardon. Je pensais qu'on pouvait le faire chauffer. Bon bah du coup... Ah, par contre, je suis en train de prendre la tête d'une force. Alors, il me faut... Ok, Reishi. Rei. Hein? Et on va en faire un qu'on va boire. Attends, j'en ai combien? 7.
Pour en faire... fais voir mon poids. Mon poids est bon. On va en faire 2. Pourquoi je prends le... le sac de couchage, parce que ça me permet de faire peur au loup. Alors, est-ce que je peux... genre, descendre en rappel ou pas? Je crois pas, hein. Je crois que c'est super dangereux ici. J'avais... je crois que j'avais voulu tester. Mais ça avait l'air super dangereux ici. Ouais, non, on va descendre normalement. Ça va, on a récupéré un peu de vie, c'est pas si mal. Honnêtement, on a bien joué là. On a échappé là, à la mort là. Ça va. Et honnêtement, c'était pas simple, hein. Il me faut à peine 4 morceaux de métal. Alors, s'il n'y en a pas par terre, je crois, je suis quasiment sûr qu'il y a du métal par terre. À côté de la forge, j'avais fait exprès. J'en mets toujours, en fait, à côté des forges, exprès. Comme ça, on n'a pas besoin d'en trimballer, en fait, beaucoup. Vous voyez, le fait d'être prévoyant, ça aide. Mais si jamais il n'y en a pas assez, imaginons... ah, merde, il y a du vent. Je crois que on a une étagère. Du coup, on pourra la scier. Par contre, le vent est extrêmement froid. Faut vraiment qu'on se cache du vent, là. Pas où il souffle le vent, apparemment il souffle sur ma tête. Je sais pas, je pouvais me cacher pendant que je descendais, maintenant je peux plus me cacher du vent, je comprends pas. Là on peut. Ça. Ok, on est chauffé. Parce que le truc va refroidir en fait, donc... Et la radio ne va pas marcher sans la... sans la tour, donc ça sert à rien de la regarder. Ok, là on a la grotte. Un truc qui pourrait vraiment aider dans le jeu aussi, c'est que notre personnage nous dise exactement d'où vient le vent. Parce qu'honnêtement, des fois, c'est pas évident du tout. Là, je pense que c'est celui du côté droit. Des fois, c'est pas très très évident, en fait. Et je sais pas, genre, mets ton doigt dans la bouche et tu le tends en l'air. Comme ça, tu sens le vent... la direction du vent, je sais pas, un truc con, tu vois. Mais bon, ça serait utile. Une grotte aussi ici. Je pense qu'on n'y est jamais allé, je vais être franc, parce qu'il y a plein de... il y a les bois et tout ça. Donc on va d'abord prendre le métal, puis après on va refaire le même parcours.
Ok, pour le moment, je suis content. Il n'y a pas trop de loups. Il n'y a rien pour le moment. En tout cas, sur notre côté là, il n'y a pas de loups. Mais je suis sûr que après, il y en aura. Les tours, c'est vrai qu'on les voit d'assez loin parce qu'elles s'illuminent en rouge comme ça. C'est vrai que j'avais oublié ce détail. Ah oui, par contre, là, ça va être la merde. Ils vont me forcer à aller dans l'eau, je crois. On va voir. Non. Non, c'est bon. Ok. On y est presque. Est-ce que vous voyez des boules de poils vertes ou pas? Pour le moment, ça a l'air d'être bon. C'est quand même joli, hein, les orbes. C'est le ciel qui se déchire. Pas du tout, mais ça fait classe de dire ça. Je prends du bois parce qu'on va peut-être se réchauffer là-bas. Là. On va peut-être faire du feu et se réchauffer. On pourrait peut-être même finir notre nuit là-bas, en fait. Maintenant que j'y pense. Est-ce que je peux marcher là ou pas? Comme ça, ça me protège du vent, un peu. Ok. Concentration. Je suis dans des creux, j'aime pas du tout. Ok, on y est. Ok. 1, 2, 3, 4. Nickel. Alors j'avais dit que c'était un peu nul de faire un feu là si on ne forge pas en fait. Donc on va faire un feu là. Ouais, là c'est pas mal. Ou là. Je sais pas. Non, là ça devrait être bon. Pourquoi je fais un feu comme à côté en fait de la forge? Parce que la forge a un seul emplacement pour faire cuire. Et du coup là on en aura deux. C'est tout bête, c'est juste pour ça. Tant qu'on fait pas vraiment de la forge, on n'est pas là forgé, on s'en fout quoi. Pas besoin de la forge en fait. C'est juste que là c'est un bon endroit pour faire du feu et pour faire une pause. Ok. Le charbon. Le charbon, on va pas l'utiliser. Quoique peut-être un seul pour le pour un peu la chaleur. Augmente un peu la chaleur.
1h30. Après, on est loin du feu. On est un peu plus loin du feu quand on est sur le lit. Ça, c'est un peu le problème. Mais bon. Ouh, la vache. Faut me mettre dedans, quoi. Quand même, Dieu. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là ? On a ça, l'étagère métallique, comme j'avais dit. Oui, je peux le mettre comme ça. Cinq heures de feu. Ressenti 19 plus 5, très bien. Yes. J'aurais pu tracer à la tour, mais bon. On va la jouer. Oh non, sérieux? C'est une tempête encore? Oh non, sans déconner, quoi. Ah, ça devient relou, là, par contre. Bah, tu m'étonnes, on a... Il y avait 5 heures de feu, on a dormi 5 heures, il reste encore 2 heures. Tu m'étonnes, il doit faire super froid. Là, on n'est pas... On n'est pas chanceux, là. Hein. 12 minutes... Voir ça si je fais celle-là. Okay. Et celle-là, je peux les casser aussi. Et du coup, je fais comment pour monter? Ça serait débile, non? Genre, je pourrais peut-être casser genre celle-là. Ou celle-là, genre les 2 sur 4. Mais bon. Bon, bah du coup, on est bloqué là. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Juste pour activer. Vous voyez, c'est ça qui est bien, en fait, dans un sens. Parce que Interland était là. Ouais, non, mais rajouter des tours avec des récompenses et tout machin, ça va rendre le jeu plus facile en intrus. Ah ouais, tu trouves que c'est ça? Ça me prend 3 heures pour activer une tour. Sérieux? Tu trouves que c'est facile? Putain. Galère de ouf, quoi. Galère de ouf. Mais c'est fun, moi j'aime bien, c'est pour ça que je le fais. Moi j'adore ce côté-là, mais ça rend pas le jeu facile. Hein. On est loin. Hein. On va voir s'il n'y a pas des petits morceaux de métal. Pas de métal, de bois, pardon. Faire durer un peu plus le feu. Après, je suis pas méga fan parce que là on a utilisé pas mal de choses. Enfin, après je dis pas mal de choses, on ne les utilise jamais aussi. Donc bon, c'est genre la tisane plus un bouleau. On avait fait ça pour récupérer pas mal de vie. Au final, est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Je pense que oui, quand même, parce que notre vie était quand même super basse. Marrant, on s'approche de ça et il n'y a plus de son par rapport à la tempête. Mais, mais ouais, de toute façon, hein. Faut bien l'utiliser un jour, tout ça. Dix minutes. Et ça, tant heureux qu'on a du matos hein, sur nous. Putain. Vous imaginez faire ça avec... Attends, hop. Vous imaginez faire tout ça à 30 kilos?
Imaginez le bordel, la merde que ça serait. On pourrait pas. Hein. On pourrait vraiment pas. Hein. Cela, on est toujours à 45. On est toujours dans les 45, c'est ouf. C'est incroyable. On a encore tout ça de calories, ça va. Les massettes, on n'en a plus trop, on va les garder de côté. On a de l'eau à l'infini, il n'y a pas de problème. On a du bois. Il n'y a pas de problème. On va déposer tout ça. On va pas le prendre avec nous. Ouais, ça aussi, c'est bien de prévoir, je trouve. Genre de poser des choses pour prévoir si jamais on doit revenir. Là, ça nous aide, le fait qu'il y ait du métal par terre, qu'il y ait du bois par terre, qu'il y ait tout, quoi, en fait. Ouais, c'est pour ça que dans les camps, je laisse toujours des choses. Parce que si jamais on y retourne, on n'est jamais dans la mer. Jamais, genre, vider les zones, honnêtement. C'est ça, en fait. C'est jamais vider les zones. Si vous videz les zones et que vous revenez et que ça se passe pas trop bien, vu que vous êtes limité en poids, vous avez jamais trop de choses sur vous, en fait. Vous avez jamais une maison entière sur vous. Sinon, vous avancez pas. Du coup, vous avez des choses à la maison. En même temps, quand vous arrivez. C'est bien. Wow, wow, wow. C'était quoi, ça? Un cerf? Je vois rien du tout. C'est un cerf? J'ai l'impression que c'était un truc plus gros. Mais je suis pas sûr. Oh, putain, il faut que je m'approche du feu, par contre. Je crois que c'était un cerf. Je suis pas sûr. Alors, très bien. Fais voir un peu. Deux. Ah oui, tisane de bouleau. On va faire ça. Comme ça, on en a deux à chaque fois. Toujours avoir deux, je pense que c'est bien, en fait. Deux et deux et deux. La règle des deux. Comme Star Wars. Ah ah. Ouais, je connais un peu Star Wars. Un peu. Pas beaucoup. Alors. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. On a les 5 morceaux de ferraille. C'est ce qu'il nous faut. On va pouvoir retourner à notre tour sans problème. Bon, la tempête, elle a pas l'air de... Ça fait combien... Ça fait deux tempêtes d'affilée, je crois, qu'on se tape, hein, par contre. Hein. Et deux grandes tempêtes, en plus. C'est pas vraiment des tempêtes qui durent genre 2 heures. Ça dure, genre, 10 heures, quoi. Bon, on a encore du bois, du gros bois, si jamais on veut. On va... On peut faire ça... Ok, ça se calme un peu. Ça a l'air pas mal. On va dormir. Après les tempêtes, je dors toujours 1 heure au moins. Je dors toujours 1 heure, c'est pour être sûr en fait que la tempête en fait ne repart pas et que le temps s'améliore. Vous voyez, maintenant il fait beaucoup plus chaud. Et on va en cuire un qu'on a déjà, si jamais on le... Ah, quoique on pourrait... On va en faire deux.
Oui, d'accord, ok, on se casse. Un peu trop de... Ok, c'est bon, on a la ferraille. Ouais, c'est un peu une habitude que j'ai maintenant, parce que bah, j'ai vu comment ça fonctionnait en gros. J'ai remarqué que la tempête, il reste toujours pendant quelques heures, il fait encore froid, et puis ça se réchauffe petit à petit, donc la plupart du temps, pour accélérer un peu le truc, on dort une petite heure après la tempête, quand elle s'est bien calmée, et normalement ça se passe bien. Après on a un bon temps. Genre là c'est bon, on n'a même pas froid. C'est très bien. Bon bah du coup on est en pleine forme, on a encore un peu de temps. Ce qu'on va faire c'est que pendant qu'on marche, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de champignons et tout ça, je pense qu'on va faire un peu de cueillette. Parce que bon, quand même se taper deux tempêtes, deux blizzards en même temps, enfin genre l'un après l'autre, back to back j'ai envie de dire. Tu vas pas me dire qu'il va en avoir une troisième, quand même. Hein, donc je pense qu'on a le temps. J'espère. Je pense que ça devrait aller. Donc on va un peu en profiter. On n'est pas très lourd aussi, donc on en profite aussi pour prendre plein de morceaux de bois. Le truc que je voudrais faire, c'est peut-être dessiner... C'est là, la grotte? Ou c'est après? Non, c'est après. Et aussi le coup du feu, des allumettes et tout ça. Vous voyez, ça aussi, c'est la façon de les utiliser. Genre, des fois, utiliser une torche pour éviter de gaspiller. Et tout ça. Du coup, on les utilise pas énormément. On a toujours beaucoup d'allumettes sur nous. Je crois que c'était l'épisode dernier où on a dû faire un feu sans la torche. Parce que l'endroit qui était safe, en fait, c'était l'endroit où on devait mettre le feu. Donc on pouvait pas se décaler avec la torche et après mettre... utiliser la torche pour le feu. Mais bon, 95%. Il y a quand même 5% qu'on peut se louper. Hein. Donc, mais voilà, c'est... Du coup, ça permet après d'être assez libre par rapport à nos allumettes. On fait attention. Ah, sans la torche, je crois qu'on a froid parce que je vois la flèche là qui vient d'apparaître. Il y a le vent qui est en plein de face. On va peut-être un peu sprinter pour ça par contre. La seule chose qu'on n'a pas là, c'est de la viande. Oh, le vent se lève bien. Tu vas pas me dire qu'on va se retaper une... Si on se retape un blizzard, honnêtement, c'est absurde. Mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Après, on rentre au lac mystère. Hein. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi. Mais je vais pas, passer trois plombes ici non plus. Ouais. Okay, on va aller voir la grotte. Strictement rien. Tout
tout est froid. Thermos. Thermos, ce qu'il me faut. Thermos. Ah là là, quand on aura ça, ce serait bien. Ça va tellement être du game changer, le truc. C'est magnifique. J'ai même envie de regarder s'il y a... Je crois qu'il y a des mods déjà pour ça. Je crois qu'il y a des mods. Il y avait un mod... Oh, je me rappelle plus trop comment il fonctionnait. Mais je me rappelle vaguement, en fait. Le machin, il était tellement compliqué. Enfin... pas à comprendre ou à utiliser, mais genre la façon dont le mec il a créé le mod, c'était quand on faisait du feu, vous avez vu que ça fait du charbon, et en fait on pouvait utiliser des braises, donc les braises encore chaudes, et les mettre dans un sac et après transporter le sac avec nous et ça nous réchauffait. Je crois qu'il y avait un système comme ça, c'était super bien fait. Je l'ai jamais testé par contre. J'ai vu des vidéos et j'ai vu le mode, j'ai lu la description et tout ça, mais j'ai jamais testé moi-même. Mais ça avait l'air vachement intéressant. C'est super intelligent d'avoir fait ça, d'avoir pensé à ça. Il y avait ça. Il y avait... Ah, il y a trop de vent. Il y avait ça, il y avait quoi d'autre encore? Ah, il y avait des mods, vraiment, les mecs, ils ont cogité dessus. Hein. C'est pas de la merde. Ils ont vraiment cogité sur le concept. Hein. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Et honnêtement, j'espère que c'est ce qui va se passer, en fait. On était allé là. Je crois que là, c'est pour changer de zone. Hein. Ouais. Par contre, c'est quelle zone, ça? Vallée de la rivière calme. Il y avait des gens aussi qui avaient fait quoi? Genre qui avaient fait des buffs, je crois. Genre si on restait au chaud pendant un moment, on se sentait mieux. Ou quelque chose comme ça. Genre on maintenait la chaleur plus longtemps, un truc comme ça. Il y avait un truc pas mal aussi. Tout simplement, comme je disais, hein, des thermos qui permettaient de garder au chaud en fait le liquide. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en mode? Il y avait des super trucs, super intéressants, je trouve. Vraiment très très intéressant. Et comme je disais, j'espère que Interland, en fait, c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je suis content qu'ils rajoutent des grosses choses comme les histoires, la radio, des nouvelles mécaniques et tout. Honnêtement, c'est cool. C'est un bon point pour eux. Bon, bien sûr, il faut bien faire les choses. Et eux, ils ont tendance à faire de la... Enfin, faire des choses bancales de temps en temps. C'est pas grave. Mais ils font des grosses choses. Ok, d'accord. Pas de problème. Mais honnêtement... Et ça serait beaucoup plus simple pour eux. Regarde, écoutez un peu l'idée. Faire des packs d'objets. Genre 3-4 objets. Je sais pas combien. On va dire, allez, 3 objets. On va dire un pack de 3 objets. Vous vendez ça 5€. 4,99 évidemment, parce que faut bien arnaquer les gens et leur faire penser que c'est 4€, mais c'est 5€. Donc 4,99, 3 objets, ça serait genre un pantalon, une veste et une cagoule, un truc comme ça. Et après, vous mettez sur le bundle que où est-ce que ça marche, genre comment dire, quelle difficulté ça fonctionne. Par exemple, si c'est pas, si ça fonctionne pas en intrus, personne, les gens qui jouent en intrus l'achèteront pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites ça. Alors ça, c'est un exemple tout bête. Mais après, vous faites des trucs un peu plus compliqués. Genre, nouveau craft. Hop, 3 vêtements qui est crafté avec des pots. Hop, 4,99 encore une fois.
Honnêtement, il pourrait faire ça. Alors peut-être 4,99 pour 3 objets, c'est un peu beaucoup. Hein, je suis d'accord, je suis honnête. Je vais être honnête, je trouve ça aussi beaucoup. Mais on peut le faire à 3 euros ou 2 euros ou un truc comme ça. Et je suis sûr que si il pouvait... Attends, il y a quoi là devant? C'est un lapin. Si il faisait ça... De 1, ça serait nettement plus rapide à développer ça. Parce qu'il faut modéliser l'objet, le rajouter sa fonctionnalité dans le jeu et tout ça. Mais il n'y a pas de... Comment dire? C'est pas aussi compliqué que ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc ça serait nettement plus rapide déjà à faire. Beaucoup moins de risques d'avoir des bugs aussi. Faut l'avouer, faut être honnête. Nettement moins de risques d'avoir des bugs. Et théoriquement, vous pouvez faire plus d'argent avec ça. Parce que les gens, ce qu'ils veulent dans The Long Dark, c'est avoir des choses à faire. Même en intrus. Moi, en intrus, ce qui est bien, en fait, c'est que de ne pas avoir les vêtements les plus chauds et tout ça, c'est que ça vous pousse à crafter. On voit à travers le truc. On voit à travers. Ça vous pousse à crafter les vêtements. Les vêtements en peau, alors que dans les autres difficultés, vous n'en avez pas besoin, en fait, des vêtements en peau, honnêtement. Vous n'avez vraiment pas besoin. Donc ça, c'est bien. Mais si on pouvait rajouter plein de petits objets comme ça, à crafter ou à trouver, tout ça, ça serait vraiment bien. Et je suis sûr que ça marcherait super bien en DLC. Moi, j'achèterais des trucs comme ça. C'était genre 2-3 euros et vous avez des bundles de genre de 3 à 5 objets. Genre nouvelle chose, nouveau craft, nouvelle chose, je sais pas, des trucs comme ça. Honnêtement, bingo, hein. Moi, je suis content. Bon, cap c'est fait, Philippe c'est fait. Batterie c'est fait. Ah oui, allumé. J'allais oublier. Nickel. Nouvel objectif, enquête sur ancien crime. Nickel, 17%. Eh, hey, attends, t'es en train de me les mettre au fur et à mesure, en fait. Ou tu te fous de ma gueule? Oui, mais en fait, faudra toutes les faire au final, d'accord. Ah putain, faut aller à la Criclugubre et tout. Oh la vache, ok. Ça marche. Ouais, en fait, ils sont en train de me les mettre petit à petit. Bon, maintenant, on récupère tout ce qu'on avait laissé. Alors, ça... kilos. Merde, attends. Je me réchauffe un peu là. 52, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse du bois là. À la limite, on peut... Si jamais on revient ici, on peut laisser du bois là, j'ai envie de dire. 49, bon, c'est un peu mieux. Ok, nickel, let's go. Si on se met à l'abri du vent, on se réchauffe. Mais bon, le vent, je vois pas d'où il souffle, là. J'ai l'impression que c'est de là. Évidemment, c'est l'endroit où on peut pas se... le bloquer. C'est cool. C'est plaisir. Ah, ça y est, je crois que le vent, il s'est arrêté. Mais vous voyez, des choses qu'honnêtement, ce serait... Je pense qu'il manque d'une direction, honnêtement, The Long Dark, Interland. Il manque d'une meilleure direction. Je pourrais leur faire gagner plus d'argent et rendre les joueurs plus heureux aussi. Sérieux. Je suis sûr qu'avec mes idées, ça marcherait du tonnerre. Ça marcherait du tonnerre. C'est obligé que ça marche. Parce que c'est ce que veulent les gens. Et après, bien sûr, si les gens veulent pas ça, bah, ils prennent pas. Et en deuxième temps, on travaille aussi genre des nouvelles maps. Mais peut-être pas des maps aussi complexes, en fait. Parce que honnêtement, ils sont allés... ils en ont trop fait. Hein, ils en ont trop fait. Et c'est pour ça qu'ils ont plein... Vous savez qu'ils ont encore repoussé apparemment la sortie de la partie 3, je crois. Genre, ils repoussent tout le temps, en fait. Ils repoussent tout le temps, Interland, quand vous regardez. Ils sortent jamais les choses au moment où ils disent.
à chaque fois, c'est repoussé de quelques semaines ou quelques mois. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens qui... Et honnêtement, je partage leurs avis. Honnêtement, beaucoup de gens disent que cette année, on aura sûrement maximum, grand maximum, deux autres mises à jour avec des nouveaux objets du DLC. Alors qu'en théorie, je crois qu'on était... Ils étaient partis pour genre 6 parties ou un truc comme ça. Genre, on devrait avoir les cougars, on devrait avoir encore des nouvelles zones. Ou alors, peut-être que ça c'est juste les... C'est peut-être que... Ouais, peut-être qu'on a les zones, là, maintenant. Il n'y en aura peut-être pas d'autres. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient dit qu'il y en aurait plus. Faudrait que je vérifie, ça. Mais ils avaient dit quoi d'autre? Ils avaient dit... Donc, travaux à cougar. Nouveau craft. Alors, peut-être que c'est tout. Les glands, là, j'en sais rien. Ça m'étonnerait quand même que ce soit que ça. Mais ouais, en théorie, il devrait avoir beaucoup de choses en plus. Hein. Attends, est-ce qu'il y a des loups, là? Pas vraiment. Je peux peut-être prendre un peu des massettes. Ah oui, la customisation des camps. Ça aussi, ça devrait arriver. Vous imaginez le bordel que ça va être quand on va pouvoir customiser les camps? Genre sur des parties comme la mienne, là, qui est déjà avancée. Déjà que c'est une catastrophe niveau de tour, là, à activer. Genre les objets qui... Les nouveaux objets qui apparaissent dans les objets que j'ai posés. Donc vous imaginez quand on va pouvoir customiser les choses. Ah, ça va être fun, hein, mais bon. On va voir dans quel état ça va fonctionner aussi. Ouais, tu vas devoir manger. Mais je pense que tu peux attendre jusqu'à ce qu'on rentre. Attends, c'est un peu grand là, fais voir. Voilà. Ah, si je clique comme ça, non? Ah non, ça revient en premier en fait. Okay. Je pensais que ça allait interchanger en fait facilement, mais en fait non, pas du tout. Vous avez vu que là on gagne en chaleur. Enfin, quoi que, on est peut-être à 0 en fait. Ouais, on est à 0. Alors que si j'enlève le cache-oreille, on est à moins 1. Vous avez vu comment ça peut être utile ce truc là? Oh putain, merde. Je vous l'avais dit, hein, ce système-là, c'est vachement bien avec le cache-oreille. Un des objets les plus fragiles, mais des plus utiles. Mais ouais, moi, je voudrais bien aussi avoir des maps. À la limite, des maps à l'unité. Parce que là, ils ont rajouté le système avec les radios. Donc moi, ce que je ferais, si j'étais eux, je ferais des DLC de map. Genre encore une fois, 4.99, j'en sais rien. Et vous faites une map avec une tour à l'intérieur. Et du coup, des caches aussi. Et vous mettez ça à la vente en DLC. Hop. Voilà. Donc si les gens veulent plus d'aventures dans des nouvelles zones, hop, vous achetez une map. Mais genre une seule quoi, pas parce que honnêtement ce qu'ils ont fait c'est super complexe, hein, genre avec l'aéroport et tout. Enfin honnêtement, par contre ceux qui ont travaillé sur l'aéroport, je sais pas s'ils ont changé d'équipe entre temps, mais je trouve que l'aéroport est vraiment, comme j'ai dit, pas une très belle, une bonne zone. Je pense que le canyon des cendres par exemple, c'est une map qui est nettement mieux. Plus complexe aussi dans un sens. Et mais nettement plus intéressante. Blackrock aussi, plus complexe. Après, j'aime pas Blackrock, je vais être honnête. Mais plus complexe et plus intéressante aussi à se balader. L'aéroport, c'est beaucoup de vide en fait.
C'est ça le problème. C'est beaucoup de vide, donc je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas la même équipe qui a travaillé dessus, en fait. Pas les mêmes personnes, en tout cas. Surtout les... L'arrangement des habitations, enfin, l'arrangement de l'intérieur, c'est... J'ai l'impression que c'est beaucoup de restrictions de tous les côtés de l'aéroport. Genre, on peut pas faire du feu en intérieur, y a pas de baril. Sous les endroits où on peut mettre les avions, on peut pas faire de feu non plus, y a pas de baril. Enfin, quand je dis on peut pas faire de feu, ça veut dire qu'ils nous interdisent avec le feu, là, comme ça. Mais il y a aussi pas de baril. Vous voyez, c'est ça le problème. Parce que normalement, il y a des barils la plupart du temps, à des endroits comme ça. Genre Black Rock, il y a un endroit, c'est un... Ouais, on va peut-être manger. Black Rock, il y a un endroit comme ça. C'est à côté de la prison, j'y étais la dernière saison. C'est un endroit super... Pas mal, honnêtement. C'est dans l'enceinte de la prison. Et il y a un passage comme ça. Et après, il y a... où il y a des camions qui sont côte à côte et tout. Et là, et on peut pas faire de feu, je crois bien, dessous. Mais il y a un baril pour faire du feu. Donc, on peut rester. On peut dormir là, à l'extérieur, quoi. Donc, il n'y a pas de problème. On va faire ça. Voilà, ça devrait nous faire tenir. Ouais, c'est des choses comme ça. Je sais pas, c'est pour ça que je trouve ça bizarre, en fait, l'aéroport, comme il est fait. Je trouve ça super étrange. Il n'y a rien qui est bien agencé. Strictement rien. Le fait d'avoir mis une table de... pour crafter au sous-sol, où c'est strictement noir, c'est un trou noir le machin. Je vois pas qui a eu cette idée là. Ça fait chier. Je vois pas qui a eu une idée comme ça en fait. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est pour ça, je trouve ça bizarre en fait. Comment ils ont fait l'aéroport. J'aurais peut-être pas dû faire ça, maintenant je le vois plus, il doit être là. J'ai peur qu'elle se pète. Ah non, non, c'est bon. Tais-toi. Si je me lève, il va me sentir. Allez, c'est bon, go. On va un peu courir. Mais ouais, une map qui est pas trop complexe, ça serait bien. Avec une tour, comme ça, ça nous fait une mission à faire. Genre, vous en sortez 3, puis après, vous faites un bundle avec les 3 maps. Et par exemple, vous pouvez faire, si vous avez les 3 maps, et bah du coup, il y a une quête spéciale. Vous savez, comme avec la radio, là, le... Ça, là. Genre ça. Genre là, vous avez une quête supplémentaire, par exemple. Quand vous, si vous, vous achetez les 3 maps. Enfin, il y a tellement, tellement de possibilités à faire qui nécessitent... J'ai pas envie de dire moins de travail, mais du travail plus simple. Simple ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste plus simple. Au lieu de se faire chier à rajouter tout plein de trucs en même temps et que tout est bancal là. Et les choses elles sortent aussi dans un ordre super bizarre. Alors, je vois pas pourquoi on n'a pas le travail et tout en premier. Hein. Le travail, ça va être la dernière chose, je suis sûr. Ça va me rendre fou. Ça n'a pas de sens. Le travail, ça aurait dû sortir avec la nouvelle carte. Surtout que ça aurait grave du sens. C'est tellement grand.
Mais enfin, c'est comme ça. Ah, je parle beaucoup parce que là, on est sur le chemin de retour. Et j'imagine que si vous regardez, c'est parce que vous aimez quand je parle, non? C'est un peu le ASMR The Long Dark. Un jour, je ferai un épisode tout en chuchotant. On verra si j'y arrive. Et si les gens aiment bien, dites-moi. Genre comme ça. Bienvenue. Oh, attendez. Non, on stop le ASMR. Stop le ASMR. Le bleu peut-être. C'est bizarre parce qu'elle grésille dans mon inventaire. Non? Bah attends, déjà on rentre. On va déposer les choses qu'on a sur nous et après on va voir. Ah, je crois que j'ai pas de viande. Merde. Ah si. Let's go. On va déposer tous les trucs en surplus que j'ai là. Genre les morceaux de... Putain, on voit strictement rien. Travailler sur la luminosité aussi, putain. Ça va faire 10 ans que c'est comme ça. Je vais tout mettre par terre, c'est pas grave. C'est pas grave. Je rangerai entre deux épisodes, y'a pas de problème. Je rangerai entre deux épisodes, c'est pas grave. Ça, on mange. Depuis qu'il y a une personne qui m'a dit qu'on pouvait être malade avec ça, honnêtement, j'y crois pas. Mais dans ma tête, dans une portion de ma tête, j'ai toujours le risque, à chaque fois que maintenant je fais double kill, je me dis putain, si jamais je me rends malade, déjà, de un, je passerai pour un con. Et de deux, ça va me faire chier. Ok, on est bon. Donc, fais voir. On va s'abaisser. Donc, pourquoi tu m'indiques rien du tout, la... Changer le mode d'écoute. Parce que... Ah, attendez. Regardez l'icône, c'est pas le même. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Ah, ça, c'est les tubes qui sont dans le sol. Ça, c'est quoi? C'est des coffres? Putain, je viens juste de m'apercevoir de ça. Ah, attendez, on va rentrer deux secondes. Faut que je regarde la carte, vite fait. On n'est pas trop fatigué encore. Ah, attendez. Si je dis pas de conneries, on a... Ça, non, c'est où? C'est là. Transmetteur. Donc ça, c'est le transmetteur. Transmetteur couvre les régions du Muskegman, de la voie ferrée détruite et de la crique lugubre. Ah! Voie ferrée détruite et la crique lugubre. Oh putain, voie ferrée détruite. Ah, ça fait ça en fait. Ah merde. Ouais, non, non, ça va pas marcher du coup au lac mystère. Merde. Ah, attends. Ah, c'est enquêter sur le signal de la crique lugubre. C'est pas réparer. Non, non, c'est pas pareil. J'avais pas fait attention la première fois que quand j'avais lu, là. C'est enquêter. Ok, cool. Cool, cool, cool. Donc, réparer le transmetteur de la vallée charmante et village montagnard. Donc, Milton et la vallée charmante. Fais voir un peu où ça pourrait être. Vallée charmante, c'est là. Donc, peut-être que ça va entourer le lac mystère. Et après, Milton, ça va faire... La vallée de la rivière calme.
Ah putain. Ouais, du coup, non, mais ça sert à rien que je fasse la radio là. Non, on est d'accord que ça sert à rien, hein. Ça sert à rien. Non, 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 c'est mort. Ah, c'est quoi, on n'a pas la... Oh, j'aurais vraiment pensé que ça couvrirait la vallée charme... le lac mystère, celle de Muskegmorn, honnêtement. Ah, j'étais persuadé que ça le ferait. Apparemment, non. Ah, je suis dégoûté. Je suis un peu triste, là. J'avoue que je suis un peu triste. Bon, bah du coup, on va aller dormir. Alors avant de dormir, on va regarder un peu la carte et ce qu'on fait. Moi, je vais honnêtement, je vais peut-être faire 1 ou 2 heures de jeu entre le maintenant et le prochain épisode pour ranger la cabane, me remettre un peu à fond et tout ça. Refaire des flèches et tout. Enfin voilà, le truc quotidien, le normal hein, qu'on fait comme d'habitude. Mais voilà, pour éviter qu'on tourne en rond en fait. Non, putain, ça m'a fait peur. Putain, j'ai cru que j'étais tombé malade. Oh la vache. En plus, ça s'est activé que juste au moment où j'ai fini de manger le truc, quoi. Ah putain. Oh vache. C'est jeu d'horreur le machin. Ok, donc. Parce que ici on n'a pas de tour. On est d'accord. Que j'essaye de me rappeler. Putain, on a. Est-ce qu'on avait pris tout ça, toutes ces massages, je sais pas. Parce que là on a la tour. Ah, attends, putain, je crois qu'il y a une tour en fait. Là, non? Ici, non? Je me rappelle pas. Faudrait que je regarde, parce qu'on m'a donné la liste où c'est qu'il y a une tour. Faut que je regarde où c'est. Je me rappelle plus exactement. C'est possible qu'il y ait une tour radio. Ah, je vais pas ressortir. Je crois qu'il y en a peut-être une ici. Mais après, pour l'histoire, on doit faire donc Vallée Charmante et Milton. Ça, on sait où c'est. Ouais, Vallée Charmante. Bah, la prochaine fois. Ah, ça me fait un peu chier de retourner à la Vallée Charmante, mais bon. La prochaine fois, on fait Vallée Charmante. Ah putain, Milton, comment on y retourne? Là. Oui. Milton, c'est par là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait Milton ou Vallée Charmante? Non, Vallée Charmante, je crois que c'est le plus facile. Vallée Charmante. Vallée Charmante, c'est... C'est pas là. C'est après le barrage, je crois. Vallée Charmante. Oui, parce que le ravin, en fait, ça nous donne sur l'autoroute côtière. Donc nous, on veut passer le barrage qui est là, je crois que c'est ça le barrage, en fait. Pour le dessin, je crois que c'est ça. Et on arrivera dans les grottes, si je me rappelle bien. Et après, on arrivera en hauteur. Yeah, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ah, c'est bien de devoir planifier comme ça, j'adore faire ça. Vallée Charmante. On va tomber ici. On va tomber ici, normalement. Si j'ai raison, on passe le barrage, on descend de l'autre côté du barrage, on continue, on tombe sur des grottes. Les grottes nous tombent ici, et on est directement à la tour. Nickel, pas le problème. Et il faut absolument que je pense à prendre 5 de métal. Ouais, il faut absolument que je pense. Donc on fera ça. Sinon, je regarderai aussi si on n'a pas une tour là. Je regarderai. Et je pense que je jouerai un peu pour histoire de se remettre à fond là avec les ressources, de l'eau, de la viande et tout ça. Faut que je chasse un peu, qu'on ait de la viande d'avance. Donc ouais, on a quelques trucs à faire encore avant de repartir.
Ben voilà, ben c'était un super, super épisode. Je suis content. Je suis content. On a fait pas mal de choses. On continuera, pardon, la prochaine fois. Portez-vous bien et ciao ciao.